Bonsoir et bienvenue aux plateformes avocats. Et une question qui m'a gagné une des trois fois que m'a fait une story, c'est comment nous faire pour qu'ils nous choisissent l'université pour qu'ils nous étudient le droit plutôt nous LLB. Donc ça, les plutôt les vignes d'après eux, les dépend qui type de LLB de ton vie, les dépend quelle université tu as envie d'aller, parce qu'il y a bien sûr un classement international, il y a un classement régional qui, donc, nous sommes capables de servir ça aussi comme un guide pour connaître quelle qualité de l'université je suis allé. Mais il y a des affaires qui m'ont tenu à informer, qui moi-même m'ont pas connu, quand nous disons que l'université les prestigieux, les reconnus, les de top 5, les de top 3 dans l'Europe ou bien dans le monde. Ça veut dire que le niveau qui nous pointe dans sa université, le niveau du LLB, il est pour vraiment très compétitif, il est pour vraiment, vraiment très high level comparé avec ben, les autres universités. Donc, je suis capable de servir ça avec un classement-là pour les autres. Par exemple, si j'ai envie d'étudier dans une université française, je suis dans TOTIS. Classement qui est capable de servir, il est online et gratuit. Pour Maurice, pour ben, l'université locale, je tenais un classement régional sur le continent africain. Donc, nous mettons l'université de Mauritius, les rank à ma connaissance de top 100. Donc, toujours, c'est là. Nous avons aussi l'université de Middlesex et l'université Central Lancashire, qui de l'université britannique qui aussi offert un cours LLB. Donc, c'était un choix extraordinaire à Maurice parce que c'était dans sa choix pour choisir un LLB mauricien, donc typiquement mauricien à l'université de Maurice, comment traditionnellement depuis plusieurs années, ENA à Maurice. Nous avons acheté ben, l'université internationale, tout comme University of Middlesex et University of Central Lancashire, qui est ben, l'université britannique, qui n'est pas en tout à Maurice. Donc, je peux faire un LLB qui common law. Donc, pour étudier, si tu envie un passeport de bord en Angleterre, je n'ai pas besoin de passeport GDL. Je pourrais directement économiser un an, les passer en étant, mais aussi en ressources. Acheter l'université à Maurice. Côté moi aller, c'est l'université Paris Panthéon Assas, qu'auparavant c'était l'université Paris 2. Donc, c'est une de mes meilleures universités en France et dans l'Europe, d'après TOTIS classement. Et donc, comment me dire, choix là, il y a un choix personnel. Je suis capable de servir un classement comme un guide, mais rappelle bien qu'il y a un classement là, this get and good. L'OKIS a fait une base parce qu'il y a un classement qui base le research papers et nous besoin rappelle bien qu'il y a certaines universités comme l'université française, la majorité de ben research papers c'est en français donc il pas take into consideration dans le classement là. Donc je besoin un classement qui est vraiment équitable pour tout ben l'université et aussi choisir c'est qui je t'ai envie de faire, qui type d'LLB. Par exemple, moi, j'ai envie de faire un LLB qui, pareil comme le système qu'on a à Maurice, c'est un LLB hybride. Donc, on a un peu droit français, un peu common law, un peu international law, et on a aussi nos systèmes mauriciens là-dedans. Donc, après aussi, un autre élément qui est très important pour qui je take into consideration quand je apply pour cette LLB dans différentes universités, c'est ben professeur qui est là dans l'université là. Par exemple, dans l'University of Middlesex, on a un différent qualité professeur. Dans l'University of Central Lancashire, pareil, différent qualité professeur. Et écoute-moi aller l'Université Paris Panthéon Assas, un différent qualité de professeur, une différente classe de professeur. Donc, c'est autres choix, mais je suis capable de servir comme les autres, ben, classement comme un guide, ben, type de professeur comme un guide, et aussi, get and cut, qui type d'LLB j'ai envie, c'est un LLB qui common law, donc je peux choisir l'université britannique,
ou bien j'ai envie de faire un LLB qui est typiquement mauricien, donc nous avons un choix qui, depuis tout le temps, c'est là, University of Mauritius, ou soit j'ai envie de faire un LLB qui est un peu français, mais l'INA sorti côté hybride de nos systèmes qui nous a à Maurice là. Donc, nous avons l'Université Paris-Panthéon-Assas. Voilà, j'espère qu'ils sont capables d'amener un peu plus de clarité et qu'ils soient capables d'aider les autres pour faire d'autres choix. Et rappelle bien, il y a un choix personnel, c'est les autres qui vous évaluer tout là et bien sûr, guetter qui ont envie, qui n'ont pas envie. Donc, merci.